Salut, c'est Cédric. Alors la semaine dernière, je me suis fait incendier. J'ai reçu des mails en me disant « Mais Cédric, c'est n'importe quoi ton histoire de marché haussier. Tu te rends pas compte de la situation économique actuelle, etc. etc. » Ma réponse, c'est que si, je me rends compte de la situation économique actuelle, mais que je suis tout simplement les comportements des investisseurs, des opérateurs sur les marchés financiers, et que je ne peux pas nier ce comportement. Et je suis désolé, mais voilà, le SP500, cette semaine, continue sur cette logique. Moi, je n'ai pas la prétention de dire que je sais ce que vont faire les marchés financiers, je suis simplement... les signaux techniques et ça me donne un sentiment de marché. Ce sentiment de marché, il est directement réalisé à partir de l'analyse comportementale des indices boursiers internationaux et ensuite, ce sentiment de marché est validé ou invalidé par les screeners. Mais ce qui compte réellement, c'est les opportunités que les screeners vont nous délivrer. À la limite, on pourrait complètement se passer de l'analyse comportementale des indices et simplement trader les opportunités de nos screeners. Ça, ils se suffisent amplement à eux-mêmes. Mais voilà, ça nous permet d'avoir une indication supplémentaire et surtout, ça nous permet de savoir dans quelle tranche de money management est-ce que l'on va swing trader les marchés. Quand on est dans un marché en range sur les indices, c'est assez clair. On va trader avec le bas de notre échelle de money management, de notre risque par trade. Quand on est dans un puissant marché haussier, on va trader sur le haut de notre échelle de money management. Actuellement, on est dans un marché en range, hein, toujours, même si le SP500, vous allez le voir, il est en train de nous faire quelque chose d'assez exceptionnel. Donc, on reste toujours sur le bas de notre échelle de money management. Donc, voilà, je suis désolé si je vais contre les croyances et le climat ambiant, mais voilà, moi j'y peux rien, c'est les marchés qui me disent quoi dire au final, hein. Je n'invente rien, je ne lis pas dans l'avenir, je me contente simplement de vous donner mon sentiment de marché en partant de faits, et ces faits, ils sont sur les indices. Vous allez voir aussi qu'on a des opportunités de marché qui timidement sont en train de réapparaître sur les screeners, et voilà, je vous en dis pas plus, mais vous allez voir, il se passe des choses en ce moment. Donc on commence par le marché européen avec le CAC 40 dividende réinvesti. Donc sur la gauche, déjà on voit la trend line oblique, la baissière ici, qui devrait bientôt être testée. On verra si on repart sur une nouvelle dynamique à moyen terme, hein, si on casse le pivot ici plus la trend line comme sa baissière. Là, on repartira sur un flux haussier. Pour le moment, on n'en est pas encore dans ce scénario. Pour le moment, on est dans un range. Là, on va aller chercher le haut du range et on verra comment justement les opérateurs réagissent sur le haut de ce range. Donc là, à droite, en journalier, vous voyez bien, hein, là, on a plusieurs bornes. On a le comblement du gap qui s'est effectué cette semaine. Donc là, petite pause dessus. On a le haut du range qui est ici. Et donc, on verra comment ça se passe au cours des prochaines semaines. On va voir un petit peu plus loin que le marché américain va tirer certainement et probablement par le haut. Là, on est sur le CAC, mid et small caps. Donc là, idem, hein, on est dans un grand cycle haussier, on est dans une énorme consolidation là depuis un an. Là, on a un point d'inflexion qui est en train de se former, on a le pivot ici. Donc, si on casse le pivot, on va aller chercher certainement le haut du range. Et si on casse le haut du range, là, on pourrait éventuellement repartir sur un nouveau marché haussier de plusieurs trimestres. Ensuite, pour le DAX, c'est le même genre de configuration que sur le CAC 40. Regardez à gauche, on a la trendline baissière ici. On est dans un petit range à court terme. Là, actuellement, on va aller chercher le haut du range. Hein. Il faut savoir qu'on vend toujours le haut du range, on achète toujours le bas du range. Par contre, si on casse par le haut, là, on repartira dans une logique, là aussi, de dynamique haussière pour la fin d'année 2016 et l'année 2017. Mais on n'en est pas encore là. Hein. Il faut déjà qu'on casse ici et qu'on valide. Ensuite, on va passer maintenant au marché américain avec le SP500. Et là, les choses sont beaucoup plus claires et beaucoup plus positives. Je vous en avais parlé la semaine dernière. Hein. J'avais titré la vidéo de mémoire, je crois que c'était « Peut-on assister à un nouveau marché haussier de 7 ans ?» puisqu'en général, les cycles sont de 7 ans pour les marchés haussiers. Et donc là, ça fait depuis 2014, 2015 qu'on est en range. Et là, regardez ce qui s'est passé la semaine dernière et cette semaine. On a eu ici une cassure,
une belle cassure ici, hein, de cette consolidation. Donc vous pouvez regarder que cette consolidation, elle ressemble à un double creux avec ici un autre petit double creux. Moi j'appelle ça une grande tasse ici avec une anse. L'anse est petite, hein, c'est comme une grande tasse de thé avec la petite anse pour tenir son thé. Et quand ça casse par le haut, eh ben, on a une nouvelle dynamique haussière qui se met en place. Donc si en mensuel, hop, on valide. Si en mensuel, on vient valider ici, on vient bien clôturer au-dessus et que le mois d'après, on continue, eh bien, pour moi, ce sera un signal clair qu'on est reparti dans un puissant marché haussier. Et je sais que ça ne fait pas plaisir à beaucoup de monde. Tout le monde est baissier sur les marchés financiers parce que l'atmosphère est délétère. Et honnêtement, je partage avec vous le constat de cette atmosphère qui est très très négative, mais bon voilà, on peut pas aller contre l'analyse technique, hein, les comportements de marché. Là, c'est en train de nous dire on va potentiellement rentrer dans un nouveau marché haussier. Et d'ailleurs, c'est plutôt très très bon pour nous, pour notre swing trading sur action. Ça veut dire qu'on va pouvoir s'en mettre plein les fouilles au cours des prochains trimestres si ce signal s'avère être celui d'un nouveau marché haussier. Sur le Nasdaq maintenant, on voyait que là aussi, hein, on a le haut du range là en oblique qui vient d'être cassé cette semaine, et on verra comment ça évolue au cours des prochaines semaines, si ça se valide ou pas. En tout cas, voilà, ça tire vers le haut. Le SP500, les grandes capitalisations boursières américaines, ce sont généralement des grosses valeurs de croissance, elles tirent vers le haut, et croisons les doigts pour que ça continue comme ça et que nos screeners puissent nous ressortir de nombreuses et belles opportunités à trader et qu'on puisse justement bien s'exprimer sur les marchés financiers. Donc cette semaine, on a eu quelques actions qui sont ressorties sur nos screeners et c'est plutôt positif. Alors on va commencer par l'action AOX qui est cotée sur le marché allemand. Donc regardez déjà cette pattern en hebdo. Qu'est-ce qu'elle nous dit? Elle nous dit que le pivot est absolument sublime. Regardez, il a été tapé mais vraiment très proprement. Donc ici, 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 là, là. Et ensuite, on a eu le breakout. Donc hop là, ici est validé cette semaine. Donc si on passe maintenant en journalier, on voit bien que le breakout, il s'est fait avec des volumes pendant cette petite tendance là en augmentation. Ici, on a eu l'arrivée des volumes massifs et là, le breakout avec des volumes assez importants. Donc ça signifie que là, sur cette action, nous avons la possibilité de prendre une position. On est toujours sur des niveaux d'entrée qui sont tout à fait décent, le stop peut être placé sous le dernier creux et on peut profiter de ce genre d'opportunité. Alors je vous rappelle, il y a un money management à respecter. On est toujours dans un marché en range sur tous les indices internationaux, mis à part le SP500 qui est en train de tirer les autres indices vers le haut, vers un nouveau marché haussier. Le marché haussier, on pourra constater qu'il est vraiment présent quand tous les indices internationaux auront déclenché un signal de hausse, hein, de marché haussier. Pour le moment, on part du principe que notre sentiment de marché, c'est un marché en range. Donc, on continue d'utiliser un money management de marché en range. Et moi, je vous recommande pour les marchés en range de prendre 0,5% de risque par trade, ce qui est très 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 faible. Du coup, le risque est justement très faible, la volatilité du portefeuille est très faible, et derrière on va en plus prendre 50% de ses profits sur le R1, et après on va laisser naviguer, on va laisser surfer la position sur la vague de hausse. Donc ça fait partie du genre d'opportunité que l'on peut tout à fait saisir. Et je vous répète, évitez de prendre trop de positions ouvertes à risque, hein. Il y a un money management bien strict à respecter. Évitez d'en prendre plus de 6 positions si vous êtes sur un risque par trade à 0,5%. Ensuite, on va passer sur la prochaine opportunité. Alors ça, c'est pas vraiment une opportunité. Je voulais simplement vous le montrer parce que regardez, cette action-là, elle a plus du tout de momentum. Regardez, on est même dans un marché baissier. On s'est stabilisé, mais ça s'est extrêmement bien stabilisé. Je vais vous présenter le graphique en journalier, peut-être qu'on verra mieux. Vous voyez que là, les amplitudes de prix se sont resserrées jusqu'à vraiment une toute petite amplitude de prix avant le breakout réalisé sur volume. Donc là, concrètement, quand on a ce genre de graphique, on n'est pas en train d'exploiter l'anomalie de marché du momentum, hein, d'un marché haussier, de la vélocité des prix. Pourquoi? Parce qu'il n'y a pas de marché haussier. La seule possibilité que l'on ait
sur ce genre d'opportunité, puisque la configuration est parfaite avec les volumes et tout, c'est que l'on ait une news. À ce moment-là, si l'on a une news, on va exploiter une deuxième forme d'anomalie de marché qui va être le post-earning announcement drift, donc qui permet d'exploiter les surprises de résultats hein, qui sont basées sur le consensus des analystes. Alors, il n'y a pas besoin de faire de l'analyse fondamentale, hein, c'est juste faut constater que au moment du breakout, on a une surprise sur la publication des résultats. Ce n'est pas le cas ici, donc tout simplement, quand on a ce genre de choses, même si c'est beau, même si c'est propre, même si ça nous donne envie d'y aller, eh bien, on n'y va pas. Ensuite, on va passer à une action du Nasdaq, GENC. Alors, celle-ci est pas trop mal, ça me fait vraiment penser, c'est du leader de marché, ça. On a eu le breakout, tentative de breakout, donc il y a 2 semaines, et on a eu la validation cette semaine. Regardez ce qui s'est passé en daily. Et moi, j'étais tenté de prendre position sur cette action, tout simplement. Pourquoi ? Parce que regardez, déjà on a eu cette première tentative de breakout ici. Pour moi, c'était pas assez suffisant. J'ai préféré attendre un petit peu de voir ce qui se passait. Et en gros, là, ce qui s'est passé, c'est qu'on a eu des volumes absolument extraordinaires ici, ici, ici. Là, voilà, on a eu un afflux massif de capitaux. La nouvelle tentative de breakout, breakout, validation du breakout ici. Donc là. Concrètement, moi j'avais vraiment envie de prendre position cette semaine. Le problème, c'est que je suis allé voir, hein, donc forcément dans le flux de news pour voir ce qui se passait et quand était la prochaine publication de résultats afin de pas me retrouver dans une position délicate. Et en fait, ce que j'ai vu, c'est qu'il y avait un dividende exceptionnel de 50% qui allait être distribué le 22 juillet. Donc c'est très bientôt. Le problème de ce genre de choses, hein, c'est que moi qui habite à l'île Maurice, je ne suis pas fiscalisé sur les plus-values, hein, sur les gains en capitaux, mais par contre, sur les dividendes, je suis fiscalisé directement dans le pays qui verse le dividende. Par exemple, aux États-Unis, on me prélève 30% à la source sur le dividende qui est versé, et en Europe, on me prélève 15% à la source sur le dividende qui est versé. Pourquoi ? Parce que l'île Maurice n'a pas signé de convention de non-double imposition sur les dividendes avec l'Europe et avec les États-Unis. Du coup, qu'est-ce que ça signifie pour moi ? Ça signifie que si je prends position ici, il va y avoir un split de cette action. Donc là, le prix de l'action va être divisé par 2 et le reliquat va m'être directement versé sous forme de dividendes sur mon compte. Ça veut dire que j'ai 50% de la position qui va m'être reversée sous forme de dividendes sur mon compte, et sur ces 50%, je vais reverser 30% au fisc américain. Donc moi, ça m'intéresse pas du tout. Je vais être beaucoup plus perdant à mon avis que gagnant sur ce genre de trade, donc tout simplement je passe à autre chose. Après, vous, c'est différent. C'est-à-dire que là, le dividende que vous allez recevoir sur votre compte qui va être fiscalisé, il va être contrebalancé par la moins-value de cette action. C'est-à-dire que là, vu que le prix va être divisé par 2, vous allez revendre, vous allez surfer la tendance, bien sûr, vous allez réaliser une plus-value sur la tendance, mais une fois que la tendance sera terminée, vous allez clôturer le trade. Et qu'est-ce qui va se passer ? Le trade sera clôturé avec un prix divisé par 2, puisqu'il y a eu un split divisé par 2. Donc, sur le papier, vous aurez une moins-value qui sera compensée par... qui au final, avec le dividende, ça fera une plus-value avec la tendance que vous allez surfer. Et donc du coup, bah, le dividende va compenser la moins-value boursière. Donc pour vous, au final, ça change pas grand-chose. Mais par contre, pour moi qui suis imposé uniquement sur les dividendes et pas sur les plus-values ou moins-values, c'est différent. J'ai pas été très clair, mais bon, j'y reviendrai plus tard, c'est pas grave. J'y reviendrai dans une autre vidéo. Ensuite, alors cette action GNE, bon, ça fait plusieurs semaines que je vous la présente. Donc là, regardez, bah, on a tout simplement le train qui est en train de continuer son expansion. Et voilà, je vous l'ai expliqué, je voulais prendre position sur cette action. Je n'ai pas pu parce que Interactive Broker ne me le permettait pas. Autre action, GSS. Alors celle-ci, c'est une minière que je vous avais présentée au moment du breakout. Ici, c'était vraiment très très propre. Hein. Pour le coup, franchement, là, c'était vraiment... Hop, on va essayer de retrouver le jour du breakout. Voilà, on a du momentum, le secteur des minières en pleine expansion. On a le breakout avec les volumes en augmentation ici, la validation. Et puis bah là, ça part... Voilà, c'est un trade classique. Cette semaine, il y a ça qui est passé sur les screeners. Je n'ai pas pris position.
Il n'y a pas assez de, il n'y a pas assez de liquidité. Là, il y a des petits trous de cotation à droite, à gauche. La liquidité est arrivée massivement ici le 13 juillet. Mais bon, voilà. Si vous aviez un tout petit portefeuille, vous pouviez éventuellement prendre le trade en post-breakout. Par contre, voilà, si vous avez un trade un portefeuille un petit peu plus conséquent au capital, je vous recommande d'éviter les actions qui sont trop peu liquides parce que là, d'accord, il y a l'afflux massif là, de liquidité qui arrive, mais ça peut s'arrêter aussi très rapidement. Et si vous devez sortir à un moment où il y a un creux de liquidité dans le carnet d'ordre, ça va vous poser des difficultés. Allez, il vous reste deux titres là. C'est un peu long cette semaine. Donc là, ce titre, il est passé sur le screener. On a eu, certes, alors j'ai pas été voir, hein, parce que pour moi, le titre n'est pas assez propre. Il y a trop de volatilité. Regardez là, premier creux assez profond, deuxième creux très profond. Là, on a, je sais pas ce qui s'est passé, j'ai pas été voir le flux news, mais voilà, on a deux journées assez fortes avec des volumes exceptionnels ici, sur la journée de jeudi, hein, avant-hier. Il y a certainement une news qui est tombée. J'ai préféré rester en dehors parce que l'action n'est pas assez propre à mon sens. Elle ne développe pas des tendances suffisamment longues. C'est souvent, voilà, par à coup, bim, gap haussier, quelques petites séances de hausse et on reconsolide. Donc, voilà, je préfère rester en dehors et me tenir à des cas d'école parce que je vous rappelle que notre money management ne nous permet pas de prendre toutes les positions qu'on veut, vu qu'il faut qu'on ait maximum quelques trades à risque ouvert, il faut vraiment bien les sélectionner. Et c'est le travail que j'essaye de vous enseigner au fil de ces vidéos hebdomadaires. Dernier titre cette semaine, alors la config hop, de ce trade est davantage en hebdomadaire. Donc marché haussier, on a notre petite consolidation qui est de type hein, cas d'école, hein, vous voyez qu'on a hop, première correction qui reste relativement haute hein, par rapport à la tendance haussière précédente hein, des plusieurs trimestres voire années qui ont précédé cette configuration. Ensuite là on a la petite micro base, on a le breakout ici, des volumes qui ne sont pas exceptionnels mais qui sont significativement en hausse, donc ça reste correct. Là on est toujours à proximité du pivot, donc voilà, tout est ok pour ce genre de trade. Là on a les volumes en augmentation, alors voilà, ça c'est un trade qui peut être mis en portefeuille, hein, sans, y a pas trop de questions à se poser. Mais encore une fois, moi je préfère vraiment privilégier les cas d'école, c'est-à-dire que là on aurait eu un énorme, voilà, une belle barre de hausse avec des volumes vraiment exceptionnels, je serais entré directement dessus. Or là on a quelque chose d'un petit peu plus, on va dire, conventionnel, et je préfère réserver les cartouches de mon portefeuille, hein, les trades à risque, sur vraiment des cas d'école. Et croyez-moi, si on rentre dans un marché haussier là, au cours de ces prochaines semaines, on va avoir des opportunités magnifiques. Donc, soyez très sélectifs, réservez vos cartouches pour des trades, si vous le pouvez, hein, pour des trades absolument magnifiques, hein, des cas d'école, et voilà, ça vous en serez fortement récompensé. Alors cette semaine, je vous propose tout simplement 4 vidéos sur comment créer votre machine à devenir rentier. Vous avez peut-être déjà vu ces 4 vidéos. Voilà, dans ces 4 vidéos, le gros intérêt, c'est que je vais vous expliquer comment mettre en place un portefeuille boursier dans un quasi-paradis fiscal. Même c'est un paradis fiscal en France. C'est quelque chose qui est assez nouveau. C'est voilà, c'est des nouvelles possibilités qui nous sont données grâce à Internet. Dans la deuxième vidéo, je vous explique je vous révélerai 2 stratégies pour gérer un portefeuille qui littéralement crève le plafond. Ces stratégies sont gratuites, vous pouvez les reproduire chez vous, il n'y a absolument aucun souci avec ça, vous allez avoir toutes les statistiques, je vais vous expliquer comment les mettre en place. Dans la troisième vidéo, je vais vous donner l'ingrédient incontournable qu'utilisent les rentiers pour rester rentiers et qu'utilisent notamment les riches pour s'enrichir véritablement. Et enfin, dans la quatrième vidéo, je vais tout simplement vous donner et vous révéler ma machine pour devenir rentier dans les moindres détails. Alors, d'accord, quand on dit devenir rentier, tout de suite, ça fait un petit peu arnaque, ça fait voilà, les grosses pubs sur Internet, etc. Là, je vais vraiment mettre les choses à plat et vous expliquer quelles sont les réalités de ce monde. Donc, tout ce qui est histoire de fiscalité, ce qui est véritablement prélevé chaque année sur vos investissements. Quand l'on croit devenir rentier, au final, c'est l'État que l'on rend rentier et pas nous-mêmes. Et je vous expliquerai toutes les stratégies pour bypasser tous ces problèmes-là. Il y a aussi un cadeau qui vous est offert dès que vous vous inscrivez sur ce programme, hein,
hein, qui est gratuit, qui va durer juste 6 jours. Après 6 jours, je vous enverrai plus aucun email. Vous allez voir que dès votre inscription, vous allez être redirigé vers un cadeau. Donc, profitez-en, c'est l'événement de cette semaine et je vous souhaite un excellent visionnage et une bonne semaine sur les marchés.